Bonjour. Good morning. Thank you very much for showing up so early. Many tech enthusiasts, and it's very nice to see you all here. You didn't have to, but you showed up. And on behalf of our panel, I'd like to thank you. And I have the pleasure of kicking off this inaugural meeting of our talks on RegTech with kind of like an introductory, I think, lecture or talk about RegTech. RegTech seems to be the word that's RegTech seems to be the word that's on everyone's lips these days, and RegTech is, in fact, a shorthand for regulatory technology. Regulatory technology is the use of technologies by the financial regulators and by the regulated industry to solve their compliance tasks. RegTech has become somewhat a byword over the course of the past 3 years. The term itself was coined by the Financial Conduct Authority of the United Kingdom, and I think it was one of their reports that was issued in 2015 that when they actually started implementing the term. So we talk about RegTech every time we invoke technology-mediated compliance with data-laden regulations. Such instances as use of machine learning, cryptography, biometrics, distributed ledgers, shared utilities, such as cloud computing, are all examples of RegTech. Now, the question, of course, is why, what's the benefit of using RegTech? Why do financial institutions use RegTech? So, the 2008 global financial crisis represented truly a critical time in the development of the RegTech industry. RegTech developments today are primarily a response to the huge costs of complying with new demands by regulators. And from the standpoint of compliance, the fines that were imposed on financial institutions following the global financial crisis were truly exorbitant. The watchdogs have imposed fines that exceeded almost $200 billion. And the ongoing cost of regulation and compliance has become a primary concern industry-wide. So this provides an economic incentive for more efficient reporting and compliance for the financial institutions. The practical incentive behind RegTech is the massive increase in the volumes and types of data that have to be reported to the regulatory authorities. Financial institutions began applying technology early in the 1990s, but regulators back then were placing a great deal of trust on technological systems implemented by individual institutions. Well, however, as you might know, the global financial crisis has fundamentally changed this paradigm. And since the crisis, regulators globally have implemented very intrusive and very extensive regulatory reforms and compliance requirements. I'm going to briefly address certain examples. The unsettling experience of the global financial crisis taught regulators to mistrust individual financial institutions' risk monitoring and risk prevention infrastructures, and a number of documents adopted by the international organizations and entities such as the Basel Committee on Banking Supervision and the Financial Stability Board require financial institutions to conduct automated aggregation and reporting of risk data and liquidity risk supervision. I'm here consulting my notes because the terms are very tricky. The prudential approach to risk management required the adoption of complex rules that set capital and liquidity at levels sufficient to protect financial stability. I'm sure many of you have heard of too-big-to-fail banks, and this is particularly relevant to those banks. This approach is backed up with periodic reviews and stress tests that have to be implemented by financial institutions. Briefly about Canada. Canada is a party to numerous international conventions and guidelines, so these international requirements are implemented by the governmental agency called the Office of the Superintendent of Financial Institutions. I will refer to them as the OSFI throughout this presentation. So technology comes into play because modeling and stress testing performed under these regulations are based on voluminous and low-quality data. that should be structured, well-defined, accurate, and complete in order to comply with the reporting requirements. And analysis of numerous data sources for reporting, modeling, and stress testing requires using powerful data mining algorithms and machine learning that are developed by the risk management sector of the RegTech industry. In addition, cloud computing RegTech facilitates interconnectivity between different branches of a financial institution, thereby enabling the production of shared knowledge that could provide a service for different subsidiaries within one financial institution. And this is particularly relevant for what we call global banks, such as HSBC, for instance. So, data mining algorithms based on machine learning can help organize and analyze large volumes of unstructured data that is stored on shared utilities, such as the cloud. I will now briefly address what I call the simplest or the most straightforward example of the use of RegTech, because one of the areas where technology frequently mediates compliance is transaction monitoring. Transaction monitoring requirements are promulgated by several international regulators, such as the Financial Action Task Force, FATF. They release standards on combating money laundering and the financing of terrorism, and sanction regimes enacted by the UN Security Council. In Canada, these are again implemented locally by the Proceeds of Crime, Money Laundering and Terrorist Financing Act, and regulations promulgated under it. So what happens in the area of transaction monitoring is regulated industries have to monitor, often in real time or close to real time, low quality transactional metadata generated by payment systems. In this regulatory area, the fines have been truly exorbitant. And in December 2012, US authorities announced almost a $2 billion fine against HSBC Bank for failing to implement an appropriate anti-money laundering infrastructure, which resulted in millions of dollars from illegal transactions pouring into the American financial system. So the example that I have for you, it's taken from the FATF, recommendation number 10, if I remember correctly, that tells that financial institutions have an obligation to conduct customer due diligence, CDD procedures, within the framework of Know Your Client, that procedures that they implement. So these financial institutions have an obligation to do so when establishing business relations, number two, carrying out occasional transactions above the applicable designated threshold. In Canada, this threshold for most transactions has been set at $10,000 Canadian. Then there is a suspicion of money laundering or terrorist financing, or the financial institution has doubts about the veracity or adequacy of previously obtained customer identification data. Now, I've highlighted 2 points, and I'm sorry that we did the summer school. It's a bit of a repetition of what we've discussed this summer. But I've highlighted points 3 and 4 because it becomes practically impossible to perform sentiment analysis or to measure sentiment for high volume and low quality data. Like, for instance, how should a compliance officer working for a bank measure suspicion of money laundering, or how can a financial institution can measure its doubts? So what happens in this very straightforward and probably the oldest example of RegTech is that such sentiments as suspicion and doubt, such sentiments as suspicion and doubt are being converted into an exercise in empirical learning. In other words, they are made quantifiable. It can be based, for instance, suspicion or doubt can be quantified in such measurable parameters as the location of the customer, the time of day when transaction occurs, whether or not a mobile device or a desktop computer was used, intervals between the transactions, and so on and so forth. So in this case, the financial institutions use instructional algorithms, which is a sequence of precise directions telling the computer how to perform a task. For instance, an algorithm can raise a red flag if it sees that the country is on the UN sanctions list, and so on and so forth. So related to this type of RegTech within the framework of customer due diligence, but a slightly different issue is the monitoring of transactions on the blockchain. Blockchains, as I'm sure many of you know, are distributed ledgers that can securely record transactions between parties and that can be programmed to trigger transactions automatically, provided that certain conditions have been met. Excuse me. In that instance, for instance, if a blockchain is implemented in the sale of goods or a provision of services contract, it can initiate payment through the distributed ledger only if goods were delivered or services have been provided. Potentially, the blockchain can be employed to substitute more centralized enforcement infrastructure that is provided by the state, such as courts. It can be used to enforce dispute resolution outcomes without relying on enforcement through the state courts or other centralized initiatives, such as escrows, chargebacks, and so on and so forth. But beyond this type of enforcement, the blockchain holds promise for reporting and compliance. If all transactions, imagine the situation that all transactions of regulated financial institutions could be reported on the distributed ledger. Then an immutable audit trail could become available for a financial regulator who would be willing to join the blockchain. In that instance, blockchain technology, the financial regulator can be given a read-only access to the blockchain. If we think from a more analytical perspective, blockchain technology, by offering greater transactional transparency, stresses the importance of collaborative action, of information sharing. And blockchain could potentially replace the existing command and control regulatory posture with collaborative networking between the regulated entities and the regulators. So, although the RegTech developments, especially in this area that I've just mentioned, are at best incremental, the good news is that the opportunities for a collaborative approach in regulation are already embedded in the regulation of the banking sector here in Canada. So generally, there is a lot of deference given to the regulation that I mentioned previously, the OSFI. There's a lot of deference to its expertise in how it wants to implement international reporting and compliance requirements. That includes also how it sees the technological part of compliance and what kind of requirements it wants to impose. The enabling statute has left considerable room for OSFI to make policy through various forms of guidance, such as advisors setting out OSFI's interpretation of different requirements. There's also guidelines describing OSFI's view of such matters as risk management. The guidelines apply to critical areas of OSFI's mandate, such as the implementation of the Basel III capital requirements. And what distinguishes guidelines from other types of regulation is that there is no formal consultation procedure. The legislation contains no procedures that must accompany the development of guidelines. And there are no strict rules that constrain the actions of the regulator in this regard. There is no cost-benefit analysis and no public comment periods that are required. So what normally OSFI does is that it consults the banks. And it works directly with the banks to see how they see the implementation of this or that regulation. The development process usually involves a research and drafting phase, followed by informal industry consultation. In light of the aforementioned deference to the OSFI expertise, there is a discussion among practitioners and, of course, the legal scholars about the scope of the OSFI authority. This discussion fits, of course, into a broader framework of surrounding the legitimacy of the administrative decision-making is does administrative decision-making violate the rule of law? Does it lead to the capture of the financial regulator by the regulated industry? Does it disregard social consequences of the financial regulations? And as we know that most of these concerns and questions have been addressed by the Occupy movements in the aftermath of the 2008 financial crisis and the bailout of Wall Street. But the concerns that have already been voiced, we now witness the emergence of the new layer of technology-mediated issues, such as how artificial intelligence and blockchain should be harnessed by regulatory bodies to exercise statutory power, and what bodies will oversee the activities of machine learning processes and the data used and generated by them. It is, for now, this remains unclear. In this regard, regulators will need to decide how best to bring the relevant expertise to bear on the decision-making, and it seems to me that the responsible approach to the regulation of algorithms requires further research, first of all, into how machine learning algorithms infer meanings, and into the social environments where they are developed and function. And it is up to lawyers, financial institutions, and the RegTech industry to come up with a better way to harness the advantages offered by technology and to mitigate the risks. And with that, I'm going to, I think, wrap up, and I'm going to give the floor to the next two presenters, and I welcome questions regarding this presentation in English and French. Thank you very much. Bonjour à tous. Merci beaucoup au Laboratoire de Cyberjustice pour cette invitation et merci à vous d'être présents pour écouter quelques réflexions sur la responsabilité sociale des entreprises à l'heure du numérique, qui est le thème de mon intervention. Alors, la RSE, tout le monde en a entendu parler, on sait que c'est à la mode depuis un certain nombre d'années, mais quelques chiffres valent parfois mieux qu'un long discours, et j'ai été frappé en faisant cette recherche de voir que 90%, je vous le dis à la belge, 90% des 250 plus grandes entreprises mondiales rendent des comptes en matière de RSE, que 100% des entreprises du CAC 40, donc des entreprises cotées en bourse en France, d'une tradition continentale bien ancrée et pas particulièrement enclin au phénomène du RSE, eh bien 100% ont un code de bonne conduite. Alors aussi, du point de vue des travailleurs, 70% des cadres dans les multinationales, selon The Economist, considèrent que la RSE est une high priority. Et enfin, 70% des travailleurs entre 18 et 26 ans admettent une influence des engagements RSE dans leur choix de postulation. Donc on voit que c'est un phénomène qui est particulièrement large. Alors, au Centre Perelman de philosophie du droit, on étudie ce phénomène depuis plus d'une dizaine d'années. Je pense que le livre que nous avions écrit était en date de 2007, donc c'est même plus proche de 15 ans que de 10 ans. Et nous, on l'a étudié d'une certaine manière, c'est qu'on a essayé de sortir du nationalisme méthodologique, c'est-à-dire de ne pas voir le RSE à travers les sources officielles de production du droit d'une juridiction en particulier, mais de prendre un pas de recul, de prendre une perspective globale. Et ce qui nous est apparu, c'est que la RSE était en fait véritablement un équivalent fonctionnel au système juridique, avec ses propres normes, ces normes qui sont les codes de bonne conduite, les chartes éthiques, on les appelle comme on veut, vous voyez bien ce dont je veux parler, qui proviennent essentiellement des entreprises, bien sûr, on pense à Nike, à son code de bonne conduite, viennent aussi souvent de secteurs, comme le secteur du jouet a été un des premiers à prendre un code de bonne conduite, ça peut venir d'associations professionnelles, mais également des organisations internationales elles-mêmes. On pense bien entendu au Global Compact de l'ONU ou le Code de bonne conduite pour les nanotechnologies de l'Union européenne ou même des États, puisque au sein de l'Union européenne, chaque État a son code de corporate governance qui procède de la même logique. Donc vous savez, c'est normal, il y en a partout, ça publie. Dans un second temps, on a vu apparaître un certain nombre de mécanismes de mise en œuvre et de contrôle. Et donc justement, pour mesurer ou pour confirmer la bonne application de ces normes, vous avez des obligations de rapportage. Il y a des gens, des ONG par exemple, qui écrivent des rapports pour voir si les entreprises respectent bel et bien leur code de bonne conduite. Vous avez des mécanismes d'audit, de certification, de labels, d'indicateurs, de benchmarks. Tout ça, en fait, procède de la même idée, c'est l'idée de bien vérifier la bonne exécution des dites normes qui ont été promulguées, en quelque sorte, au niveau de l'entreprise. Sans doute que dans ces mécanismes de mise en œuvre et de contrôle, les plus connus sont le GRI, Global Reporting Initiative, qui s'est bien développé au niveau mondial, où, et je vous en conseille la consultation, vous avez un site internet qui s'appelle CSR Hub, et il recoupe un certain nombre de données et classe plus de 17 000 entreprises, 17 000 multinationales pour voir s'ils respectent bien leur engagement en termes de droits de l'homme, en termes environnementaux, en termes de droits du travail. C'est très bien fait, ça a des petits codes couleurs, c'est particulièrement lisible et il y a un gros travail qui est fait en amont. Et alors, troisième dispositif, normes mises en œuvre, sanctions, bien entendu, dans un régime juridique traditionnel. Eh bien, ici, les sanctions, bien entendu, ne sont pas judiciaires. On le verra, elles vont l'être, mais elles ne sont pas au départ judiciaires. C'est plutôt ce qu'on appellerait donc des sanctions par l'image, où c'est le consommateur qui décide de ne pas acheter, ou un investisseur qui décide de ne pas investir dans telle société parce qu'elle ne respecte pas ses standards éthiques ou les valeurs qu'il embrasse. Alors vous avez c'est le premier point de ma démonstration. Ensuite, on voit que le droit, les sources traditionnelles de production et d'application du droit, se sont emparées de ce phénomène. D'abord, ça a été le juge. Il y a eu quelques grandes affaires qui datent du début des années 2000, l'affaire Nike, l'affaire Walmart. En Europe, vous aviez également l'affaire Erika, le grand pétrolier qui s'est échoué sur les côtes bretonnes. Et donc, on voit que le juge a peu à peu reconnu à la violation de ces codes éthiques une dimension juridique. C'était pris en compte dans son argumentation et pouvait donner lieu à des sanctions judiciaires. Soyons toutefois honnêtes, ce n'est pas une lame de fond. On ne peut pas dire que vraiment on ait des centaines de décisions de justice qui se sont appropriées le phénomène, mais en tout cas on a vu un mouvement au niveau du pouvoir judiciaire. Le législateur ensuite s'est emparé lui aussi du phénomène RSE. Alors il s'est emparé, alors, évidemment je suis professeur de droit de l'Union européenne donc j'ai sans doute un biais, mais il s'est emparé en tout cas au niveau de l'Union européenne à travers différents règlements ou directives qui sont en fait des lois au niveau européen. Et je dirais qu'il y a deux instruments qui sont, à mon avis, marquants. Vous avez la directive 2014-95 qui oblige les sociétés cotées en Europe à produire des rapports extra-financiers. Donc ça vient compléter les rapports financiers. Maintenant, on doit expliquer finalement ce qu'on a fait au niveau social, environnemental. Vous avez également cette directive intéressante, c'est la directive 2005-29, qui a pour but de protéger les consommateurs. Et dans un des articles, la directive prévoit que le consommateur qui constaterait qu'une entreprise a violé son code de bonne conduite bénéficie désormais d'une action directe auprès du juge national pour faire condamner l'entreprise. Donc, vous voyez que là, on commence à devenir dans quelque chose de particulièrement plus contraignant. Malheureusement, dans la recherche que j'ai faite dans les juridictions dont je maîtrisais la langue, c'est-à-dire la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Angleterre et la France, eh bien, sur une dizaine d'années d'application de cette directive, eh bien, je n'ai retrouvé que trois jurisprudences, toutes les trois aux Pays-Bas, qui condamnaient des entreprises de télécom par rapport à des histoires de SMS. Donc, on peut dire une application finalement très peu exploitée de cette disposition de la directive. Alors, il n'y a pas qu'au niveau européen, au niveau national, vous avez également beaucoup de législations qui s'emparent du phénomène RSE. Les deux plus récentes et peut-être les deux plus ambitieuses à ce stade est celle du Royaume-Uni en 2015, qu'ils ont appelé le Modern Slavery Act, qui impose aux sociétés commerciales ayant un chiffre d'affaires supérieur à 36 millions de pounds, ce qui n'est pas gigantesque, et qui vendent au Royaume-Uni des biens et des services, eh bien, elles sont obligées de préparer une déclaration sur l'esclavage et le trafic des êtres humains lors de chaque exercice comptable. J'ai fait une petite recherche. L'année dernière, 6 000 entreprises s'étaient prêtées à cet exercice et avaient expliqué comment ils comptaient combattre l'esclavage et le trafic d'êtres humains. Plus récemment, en France, vous en avez peut-être entendu parler, c'est cette loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Là, pour toute entreprise de 5 000 salariés en France, toute entreprise française qui dans le groupe compte 10 000 salariés, donc là on est beaucoup plus haut à mon avis au niveau du seuil, Il y a une obligation pour ces sociétés d'établir un plan de vigilance qui est destiné à détecter et prévenir la violation en France ou à l'étranger par leurs filiales et leurs sous-traitants des droits de l'homme et de l'environnement et à préserver la santé et la sécurité des salariés impliqués. Donc là, on a un spectre plus large d'obligations dans ce rapport. Donc, je vous l'ai dit, le juge dans un premier temps, le législateur et enfin le gouvernement. Les gouvernements se sont également lancés dans la RSE. Deux exemples très courts. De plus en plus souvent, on voit que le fait d'avoir pour une entreprise une politique RSE est une condition pour pouvoir accéder à certains marchés publics importants. Donc ça, c'est un incitant très fort. Ou alors, l'exemple norvégien, c'est une condition d'investissement des fonds publics. C'est-à-dire que le fonds souverain norvégien, et je peux vous dire qu'il est bien doté parce que c'est finalement lié directement aux richesses de gaz et de pétrole de la Norvège, eh bien, pour qu'il investisse dans une société, il faut qu'il ait une politique RSE importante. Donc on voit le gouvernement qui utilise ces incitatifs. Voilà, la première partie de mon exposé est finie. Je voulais refaire un petit point sur la RSE en tant que... Traditionnellement, deux critiques sont adressées au phénomène RSE. La première, c'est son manque d'effectivité, ce n'est que du pur marketing. Grosso modo, un pool de critiques tourne autour de cette idée RSE égale marketing. Très bien. Deuxième critique, manque de transparence et impossibilité de contrôle. Les entreprises nous font des belles déclarations, mais nous, consommateurs, on a beaucoup de difficultés à vérifier que Nike n'emploie réellement pas, je ne sais pas, des enfants de moins de 7 ans dans ses usines au Bangladesh ou dans ses sous-traitants au Bangladesh. Et donc, avec mon collègue David Restrepo à Marie-Lès, on s'est lancé dans une toute nouvelle recherche qui a débuté le mois dernier et qui a pour but, en fait, d'analyser comment les politiques RSE se sont implantées et se sont implantées au niveau des multinationales et comment elles ont transformé ces entreprises multinationales au point de vue de leurs organisations internes, avec la création de départements de compliance, aussi voir la transformation des services juridiques, donc vraiment voir ce que ça a changé en interne, mais également d'analyser finalement les résistances qu'elle a pu rencontrer dans ces multinationales. Tout le monde n'a pas vu d'un bon œil l'arrivée des politiques RSE. La particularité de cette recherche, en tout cas la particularité pour les juristes, pour le juriste continental que je suis, c'est qu'elle a pour ambition d'être plus empirique. Donc on va faire une analyse empirique des sociétés cotées dans trois secteurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le secteur des entreprises, des énergies fossiles, l'agroalimentaire et les banques assurances. Donc vous voyez, trois choses quand même assez bien, assez différentes. Et on va le faire dans quatre juridictions. La France, parce que c'est HEC Paris, la fondation HEC Paris qui nous subsidie, et donc c'était intéressant de partir de là, puisqu'on allait pouvoir étudier facilement les entreprises qui nous entourent, tout simplement. Ensuite, la Grande-Bretagne nous paraissait intéressant parce que c'est un pays, évidemment, de common law, mais également parce que c'est un pays qui va bientôt sortir de l'Union européenne. Et ensuite, nos deux cousins outre-Atlantique, le Canada et les États-Unis. Donc voilà, les quatre juridiques. Donc, dans cette étude empirique qui va se baser d'abord sur des données chiffrées avec tous les rapports financiers et extra-financiers qui sont publiés depuis de nombreuses années et qui sera complétée par des entretiens. Nous allons donc prendre notre bâton de pèlerin et aller rencontrer ces différentes entreprises afin de croiser les informations qu'on a, essayer de comprendre finalement des choses qui n'apparaîtraient pas de ces rapports. Et j'en arrive au point finalement de mon exposé ici. Dans cette recherche assez large, il y a un volet qui est de comprendre l'impact des nouvelles technologies sur la RSE et de voir si l'effet de ces nouvelles technologies sur la RSE et de voir si elles répondent, ou si elles apportent un élément de réponse par rapport aux deux critiques que j'ai mentionnées juste il y a 2 minutes. Et donc on a identifié 4 instruments dans ces nouvelles technologies. C'est la blockchain, on vient d'en parler, les smart contracts, le big data et les crypto-monnaies. Ce sont 4 instruments qu'on veut étudier au niveau de leur impact sur la RSE. On aurait pu rajouter, mais on ne l'a pas fait, les objets connectés. Ça va peut-être se faire, mais on était moins à l'aise, je pense, avec ce phénomène. Alors, donc je vous dis ici, c'est le tout début. Donc on a juste identifié des sujets qui méritent notre attention et sur lesquels nous allons passer maintenant au moins les 2 prochaines années. Alors la blockchain, a priori, elle a pour fonction d'améliorer la traçabilité des politiques RSE dans au moins 2 dimensions. D'abord, elle pourrait apporter plus de garanties quant à l'authenticité de la politique RSE. Je vous donne un exemple. Vous connaissez sans doute tous le phénomène des Blood Diamonds, qui a fait l'objet de nombreux reportages et de nombreux articles, hein. Je pense que c'est assez connu, je n'y reviens pas, et vous avez eu, suite à ce scandale, des politiques RSE qui se sont mises en place, et en particulier le processus de Kimberley, qui permettait, qui mettait en place un système de traçabilité, de certification de ces diamants, et qui normalement permettait d'éviter que ces diamants soient extraits dans des conditions scandaleuses. Les études ont montré que ce processus ne fonctionnait pas bien parce que certains États étaient trop corrompus et que finalement ils octroyaient des certificats totalement bidons et donc finalement tout le processus de Kimberley en souffrait et donc ce n'était plus efficace en termes de RSE. Et bien une société britannique, Everledger, a proposé justement à ses producteurs de diamants une blockchain publique, j'insiste sur le caractère public de la blockchain, qui en fait intégrerait le diamant depuis sa découverte, parce que chaque diamant est unique en termes de taille, de pureté, il y a 5 critères qui sont complémentaires et qui font qu'on sait identifier chacun des diamants, et donc permettrait de suivre tout ce diamant depuis le moment où on le trouve au milieu de la terre jusqu'au moment où il est vendu et mis sur une bague, à travers toutes les étapes seraient enregistrées sur une blockchain publique et permettrait donc aux distributeurs, aux vendeurs, d'abord de s'assurer que ce diamant est bien un honnête diamant, mais également à vous, consommateurs qui achetez une bague avec un diamant, que c'est un diamant correct. Donc là, évidemment, en termes de garantie d'authenticité, c'est un avantage très clairement. Je regarde combien de temps il me reste. D'accord, donc je ne vais pas vous donner plus d'exemples sur la blockchain. Deuxième instrument, donc, vous avez dit blockchain, big data. Alors big data, les big data, c'est une belle réponse quant au problème de quantité limitée d'informations disponibles pour évaluer la conformité par une entreprise de ses engagements RSE. Alors là, j'ai 2 exemples, un exemple développé par Microsoft, qui ont proposé de croiser en fait les bases de données météo, les bases de données relatives au trafic et également à la mobilité, de croiser le tout pour donner une photographie plus précise des causes de pollution atmosphérique. Sur base, finalement, de ce système mis en place par Microsoft, eh bien, ça serait sans doute plus aisé de confronter le résultat de cette photographie avec les engagements de certaines entreprises par rapport à leur RSE. Enfin, on aurait un instrument qui permettrait de confronter les entreprises par rapport à ce qu'ils ont promis. Et alors, deuxième exemple que j'aime bien, c'est le Statistical Topic Modeling. C'est un modèle proposé par des chercheurs qui est une analyse systématique des sujets traités sur Twitter en combinaison avec des balises géographiques. Et donc, lorsqu'on croise ces 2 informations, et ça permet d'identifier des signaux faibles de violation de normes RSE. Par exemple, des tweets d'employés en détresse ou des tweets de populations locales qui verraient qu'une entreprise est en train de couper des milliers d'arbres. Et donc, c'est évidemment, comme on dit, des signes faibles, hein, ça ne permettra pas tout, mais ça pourrait par exemple, éviter des scandales comme Foxconn, qui était un sous-traitant d'Apple, où le personnel avait subi une vague de suicides liée aux conditions de travail. Ça pouvait être un indicateur qui permettait qu'on s'intéresse finalement à telle ou telle société dans telle ou telle partie du monde. Troisième instrument, les smart contracts, qui sont donc des programmes informatiques qui exécutent automatiquement des clauses contractuelles et donc augmentent l'effectivité des engagements RSE. Un exemple tout simple, donc dans le Global Reporting Initiative, le GRI, je vous ai dit ce standard pour la mise en œuvre, eh bien vous avez une des clauses du GRI qui prévoit un plan d'évacuation d'urgence des mines au moment de leur ouverture. C'est important pour des questions de sécurité, évidemment. Vous connaissez le nombre de catastrophes qu'il y a dans les mines, et donc le fait de pouvoir partir rapidement est quand même une réponse qui me paraît assez normale. Et donc, on pourrait voir, on pourrait peut-être mettre en place une clause dans un smart contract qui prévoirait que toute entreprise qui ne fournit pas ses plans d'évacuation, eh bien, automatiquement serait sanctionnée pécuniairement et devrait verser, en fait, il y aurait un versement automatique sur le compte, par exemple, d'organisations de défense des mineurs. Là, c'est un petit peu prospectif, mais je pense que ça serait en tout cas techniquement tout à fait réalisable et ça pourrait aisément se défendre. Enfin, dernier point, et là je serai très très court, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, bien, ça permettrait plus de transparence et de contrôle des engagements. Pourquoi? Cisco nous dit par exemple, j'ai investi 129 millions de dollars en investissements sociaux. Très bien, merci. On cherche à avoir des informations, c'est très difficile, ils ne répondent pas. Eh bien, s'ils avaient choisi une crypto-monnaie, et ça aurait été beaucoup plus facile, par exemple, de consulter alors la blockchain publique sur laquelle elle reposerait, voire de vérifier où les 129 dollars ont été investis, de voir si oui ou non c'était bien des investissements sociaux. J'en arrive à ma conclusion, je vous rassure. Alors, cette conclusion, j'ai deux points. C'est-à-dire que, en fait, ces dispositifs des nouvelles technologies s'emboîtent particulièrement bien avec la RSE telle qu'elle était pensée ou mise en œuvre jusqu'à présent. C'est un complément qui vient parfaitement bien en fait, répondre, à mon avis, aux faiblesses du système de RSE. Alors, tout ne s'emboîte pas parfaitement bien. On aime bien, avec le centre Perelman, utiliser l'image de Lego. Parfois, ça se met vraiment bien, vous prenez une belle construction, parfois, ça se met moins bien, et votre architecture s'écroule. Mais donc, plus particulièrement, je pense que les smart contracts ou la blockchain sont particulièrement utiles pour lutter contre les abus de biens sociaux et les détournements de fonds. Et le big data est précieux pour lutter contre l'évasion fiscale. Par contre, à mon avis, c'est moins utile pour le travail des enfants, où là, finalement, les instruments tels que des indicateurs, les audits, le reporting ou les notations sont, à mon avis, plus efficaces, ou pour les dommages environnementaux, où finalement, les normes ISO, les labels et la certification me paraissent être des réponses plus adaptées. Donc c'est une solution, mais c'est une solution partielle. Et ma conclusion générale est de dire que le diable n'est peut-être pas dans l'instrument, et ces nouvelles technologies ne doivent pas être uniquement vues comme des dispositifs crypto-fascistes ou crypto-totalitaires, comme certains ont pu l'affirmer. Je fais référence à un colloque où nous étions la semaine dernière en France et où ces nouvelles technologies étaient souvent vues comme crypto-totalitaires. Et moi j'ai envie de dire, sans doute, dans une certaine mesure, elles peuvent être comme ça, mais ici on voit que dans le cadre de la RSE, c'est plutôt un outil assez utile pour confronter les entreprises face à leurs propres responsabilités. Donc, avec ces nouvelles technologies, j'ai l'impression qu'on passe d'un modèle d'autorégulation basé sur la philanthropie vers une norme de contrôle des comportements beaucoup plus contraignante, qui est d'une effectivité redoutable dans certains cas, avec un risque c'est que les entreprises multinationales s'en rendent compte et refusent désormais de s'engager dans des dispositifs de RSE parce que trop contraignants. Je vous remercie pour votre attention. Alors, bonjour à tous. Je vais vous parler ce matin de quelque chose d'un petit peu différent de mes collègues. Je vais vous parler de la notation des professions du droit et plus spécialement de la notation des avocats. La raison pour laquelle j'aborde ce sujet, c'est que, comme ça a été mentionné déjà par Arnaud van Waeyenberge, nous nous intéressons au centre Perelman aux transformations des modes de régulation dans la société contemporaine et qu'il nous est apparu depuis un certain nombre d'années et certainement depuis nos travaux sur les ratings et les métriques en droit, que les notations constituent véritablement un mode alternatif de régulation par rapport aux règles juridiques. Alors, on observe pour l'instant, ça c'est d'abord une mise en contexte, on observe pour l'instant un peu partout dans le monde, c'est fort à la mode, un vent favorable à la libéralisation de la profession d'avocat, avec un argumentaire qui est à peu près partout le même, qui consiste à améliorer l'accès à la justice sur la base de ce constat que l'accès à la justice est très onéreux, que pour répondre au défi de l'accès à la justice pour le plus grand nombre, il est nécessaire de faire une série de choses, notamment de limiter les privilèges dont bénéficient les avocats pour renforcer la concurrence au sein du secteur juridique. Évidemment, réduire les coûts par l'utilisation des nouvelles technologies, que ce soit dans le cadre de la résolution en ligne des conflits ou que ce soit dans le cadre de mécanismes d'automatisation ou de semi-automatisation du travail de l'avocat, et de favoriser ainsi le passage d'un modèle de la profession qui est d'abord et avant tout intensif en travail, fonctionnant avec des timesheets, à un modèle intensif en capital. Et favoriser évidemment les modèles alternatifs de règlement des conflits de manière générale, c'est quelque chose que, ici au laboratoire de cyberjustice, on connaît très bien. Alors, cette limitation des privilèges, elle est poussée notamment au niveau de l'Union européenne, dans le cadre du forum pour le marché unique, où l'Union européenne, depuis un certain nombre d'années, produit des rapports, réfléchit, analyse la situation des professions réglementées en général, avec une perspective sur le marché du droit qui est d'abord une perspective économique, à savoir que les privilèges accordés aux professions réglementées, et notamment aux professions juridiques réglementées, doivent être évalués à la lumière de leur objectif, à savoir principalement, ça c'est la lecture économique de la chose, réduire l'asymétrie d'information entre le consommateur et le prestataire. Finalement, les privilèges qui sont, accordés aux avocats ne le sont que en raison de l'asymétrie de l'information, et il convient de vérifier qu'il n'existe pas de moyens alternatifs à la régulation de la profession pour réduire cette asymétrie d'information et pour informer donc le consommateur. Alors, ce mouvement de réforme, d'ailleurs, on voit fleurir effectivement un certain nombre de technologies qui apparaissent pour réduire les coûts. C'est le cas de demandezjustice.com en France, que vous connaissez sans doute, de Rocket Lawyer, de Captain Contract, de LegalZoom et de tout un ensemble de LegalTech qui se proposent pour faire baisser le coût de l'accès au droit et d'automatiser peu ou prou le travail des conseils. Un modèle intensif en capital, c'est quelque chose qu'on observe dans les différents États, c'est le cas maintenant en France, on a des évolutions qui se préparent également en Belgique, où on essaye, forcément si les cabinets doivent faire des investissements, de rendre possible la participation de capital tiers détenu par des non-avocats dans les sociétés d'avocats, avec évidemment l'exemple ultime qui est aujourd'hui l'Australie, où vous avez un certain nombre de cabinets d'avocats qui sont directement cotés sur le marché financier, hein, avec ici l'exemple de Spectre et Cordon, qui, comme vous le voyez, ne se porte d'ailleurs pas très bien depuis l'acquisition de nombreux cabinets en Grande-Bretagne. Alors la notation des avocats, en quoi est-ce qu'elle intervient dans ce tsunami de la régulation des professions réglementées et spécialement de la profession d'avocat? Elle intervient parce qu'il s'agit vraiment d'un moyen de réduire l'asymétrie d'information entre le prestataire, l'avocat, et le consommateur de droit. Et de ce point de vue-là, depuis un certain nombre d'années, c'était un titre du Wall Street Journal en juillet 2017, un des hot topics, c'est réellement le ranking, et donc d'abord le rating des avocats. On a vu une passe se faisant où il y a un certain nombre de parties et d'acteurs qui considèrent qu'il faut prendre ce tournant techno-managerial dont j'ai parlé hier en fonctionnant selon une logique où la confiance qui était garantie avant par des institutions et par des règles, règles d'accès à la profession, règles de déontologie, supervisée par le bâtonnier ou par le conseil de l'ordre ou par un régulateur, mais doit être remplacée, ou en tout cas, et à tout le moins, renforcée par une confiance garantie par des données mesurant la réputation des prestataires, mais surtout leur performance. Alors vous me direz, cette évaluation de la réputation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que la profession d'avocat connaît relativement bien et où il existe déjà un certain nombre d'instruments, les médias ou les prix, qui sont remis à des cabinets ou à des avocats individuels, sont une manière d'asseoir sa réputation. Il existe également une série de rankings experts que vous connaissez, le Legal 500, Chamberson Partners, qui réalise un classement des cabinets. Tous ces éléments existent depuis un certain temps. La différence, c'est que, ce qui est particulier avec ces rankings experts et ces prix, c'est qu'au fond, la profession, d'une manière ou d'une autre, en a le contrôle. C'est-à-dire que ce sont finalement des avocats qui réalisent la notation, qui évaluent de manière anonyme leur père, et donc ce n'est pas vu comme quelque chose d'agressif par la profession, mais en même temps, ça ne rassure pas nécessairement le consommateur qui ne trouve pas dans ses rankings une information supplémentaire par rapport à l'information dont il dispose déjà sur le marché. C'est pourquoi des LegalTech se sont organisés de manière un petit peu avec plus ou moins de succès pour noter les avocats, et le phénomène est véritablement global. Vous avez évidemment des notations que vous pouvez trouver sur Google, c'est un cabinet d'avocats à Bruxelles, vous voyez qu'il y a deux avis et deux petites étoiles. Vous avez aux États-Unis Avvo Rating, qui a quand même pris une place significative depuis un certain nombre d'années, qui note les avocats sur la base d'une série de critères et d'informations qu'ils obtiennent, et même dans des pays où la régulation de la profession d'avocat est particulièrement sévère, comme l'Italie, on voit se développer des systèmes de traitement des cabinets d'avocats ou des avocats individuels. Cela étant, et au Canada, vous avez par exemple Trust Law, Your Lawyer, Good, Bad, Indifferent, avec cette idée que vous pouvez lire ici en bas, qui est importante, c'est « Law societies protect lawyers, not you ». Finalement, la régulation professionnelle ne vous protège pas, vous, en tant que consommateur, faites plutôt confiance à des notations qui sont données par des consommateurs qui vont évaluer la qualité des prestations juridiques qui sont offertes par les professionnels du droit. Alors, évidemment, les réactions du monde de l'avocature et des barreaux notamment ont été assez importantes, un peu partout dans le monde également, je n'en mentionne que quelques exemples, et d'abord aux États-Unis, où on a eu une série d'affaires où des avocats individuels soutenus plus ou moins par les bar associations ont tenté de mettre en défaut, par exemple, Avvo Rating, qui est un des produits sur le marché, et Avvo Rating a systématiquement gagné. D'abord par la reconnaissance du fait que les notes d'Avvo Rating étaient protégées par le premier amendement, et que par conséquent, il n'y avait pas lieu de réduire la liberté d'expression de ce prestataire, que par ailleurs, en tout cas dans l'État de Washington, Avvo devait bénéficier des protections de la loi anti-SLAPP, c'est une loi qui vise à empêcher les poursuites qui sont intentées contre un acteur uniquement pour le faire taire, et que par conséquent, les actions conduites par des avocats concernant la qualité de leur rating pouvaient être limitées en raison de cette protection de la loi anti-SLAPP, ou encore plus récemment, une reconnaissance par les juridictions américaines que vous pouvez créer des profils d'avocats sans leur consentement et les noter sans violer les règles en matière de publicité. C'est une stratégie que Yen a mis en œuvre, et tous les avocats se voient attribuer un profil et obtiennent une première note qui est une note de 3 sur 10. Ensuite, s'ils veulent augmenter leur note, Yen peut contacter Yen, prendre un abonnement, et à ce moment-là, leur note augmentera assez rapidement. C'est un business model qui fonctionne tout de même un petit peu. Alors, après ces différents échecs des actions en justice conduites par les avocats ou les barreaux, la American Bar Association a invité le fondateur Avvo à faire une conférence chez eux. Si on ne peut pas l'attaquer, il faut donc s'en faire un ami. Avvo, le fondateur d'Avvo, a véritablement défendu, notamment dans les colonnes du American Bar Association Journal, l'idée qu'il fallait se libérer des règles d'accès à la profession pour se concentrer sur l'innovation, l'accès à la justice et un contrôle réputationnel basé sur les faits. Alors, en France également, on a eu un certain nombre d'affaires, il y en a encore certaines qui sont en cours, portées par le Conseil national des barreaux. Et donc en France, le CNB a notamment agi contre un site internet qui proposait notamment des ratings en disant que la notation des avocats était contraire aux règles déontologiques qui s'appliquaient à la profession, notamment au principe de délicatesse qui interdit les publicités comparatives entre les avocats. Et l'affaire est remontée, ils ont obtenu gain de cause en première instance, mais l'affaire est remontée ensuite jusqu'à la Cour de cassation, et la première chambre civile a rendu un arrêt le 11 mai 2017, constatant que les tiers n'étaient pas tenus par les règles déontologiques de la profession, et que par conséquent, des acteurs qui ne sont pas avocats peuvent noter les avocats pour autant qu'ils délivrent aux consommateurs une information loyale, claire et transparente. Cette décision de la Cour de cassation mettant fin dès lors aux espérances des barreaux de mettre fin à la notation. Alors la deuxième réaction des barreaux a été dès lors de mener des campagnes d'information critiquant la qualité des ratings, parce que les ratings sont subjectifs, ce sont finalement les consommateurs qui notent, mais les consommateurs, on a mis en place des règles professionnelles parce qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas évaluer la qualité du service. Avoir le rating des consommateurs, ça ne sert donc à rien, puisqu'il n'y a aucune information qui est contenue dedans, et qu'on peut avoir un très bon avocat et perdre sa cause, non pas parce que l'avocat est mauvais, mais parce que la cause était mauvaise. Et deuxièmement, une critique des modèles économiques des plateformes de notation avec biais et conflit d'intérêts. Exemple de Yen que je vous mentionnais, où vous augmentez votre note en prenant un abonnement. Et face à ces réactions-là, ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est la notation des avocats, c'est en réponse à ça, finalement, la notation des avocats sur la base de traitement automatisé de l'information, donc basée sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on va exploiter, comme la société Prémonition, c'est juste un exemple parmi d'autres, on va exploiter de manière automatisée la jurisprudence dans le but d'identifier les avocats et de déterminer finalement s'ils ont gagné, perdu, combien de fois, quelle est la durée en général des affaires qui sont conduites par des avocats, et donc un ensemble de métriques vont être identifiés en train de mesurer le taux de réussite, le prix, le all-in rate et la durée moyenne des affaires conduites par un avocat. Donc là, vous avez une information qui a l'avantage d'être plus objective, en ce sens qu'elle est fondée sur la jurisprudence et qu'elle apporte donc une information nouvelle au marché. Et donc vous pouvez avoir pour chaque avocat, je n'ai pas un rapport qui est produit de manière automatisée, qui va vous donner toute une série d'informations selon la nature des affaires, etc., etc. Bref, véritablement un scanning de l'avocat et de ses prestations. Lex Machina a réalisé quelque chose de similaire, où on peut également connaître le taux de succès d'un avocat dans différentes affaires. On peut également mesurer les appariements entre un juge et un avocat. Est-ce que c'est devant ce juge, cet avocat gagne plus, gagne moins, etc. Donc tout ça sont des informations qui sont désormais disponibles. Alors évidemment, ce phénomène de la notation des avocats rencontre les projets de libéralisation de la profession et de dérégulation, et notamment au niveau européen. Déjà, l'OCDE avait en 2008 publié un rapport où les ratings des avocats avaient été discutés comme une alternative à la réglementation de la profession. Et la Commission européenne avait financé il y a quelques années l'Human Law Foundation et le CCBE, qui est l'organe consultatif des barreaux européens, dans le cadre d'un projet Find a Lawyer Tree, afin d'examiner la faisabilité et la pertinence de réaliser une notation des avocats basée notamment sur les retours des clients. Mais ces dernières années, avec la démultiplication des victimes dans tous les domaines, la Commission avait réellement pris un certain nombre d'engagements, je dirais, idéologiques, mais en tout cas avec un intérêt marqué pour ces metrics et ces régulations par le nombre, avec notamment l'agenda européen pour une économie collaborative, où la Commission va jusqu'à dire que les systèmes de rating et les systèmes de mesure de la réputation peuvent, dans certains cas, réduire la nécessité de certains éléments de la réglementation, pour autant que les ratings soient fiables et que la qualité des ratings est bonne. Donc, vous voyez bien que là, il y a cette idée qu'on pourrait, par exemple, déréguler un secteur, ou limiter la régulation en remplaçant la régulation par un rating et une notation. Plus récemment encore, le 28 juin 2018, la Commission a adopté, enfin, donc plutôt le Conseil et le Parlement ont adopté une directive préparée par la Commission relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de profession. Et dans ce cadre-là, la directive, en s'y considérant, indique que malheureusement l'action de la Commission menée jusqu'ici pour limiter les régulations professionnelles n'a pas très bien fonctionné et qu'il convient dès lors de mettre en place un nouveau processus avec un système de peer review entre les États et la mise en place de méthodes communes pour évaluer et de manière régulière la nécessité de maintenir les régulations professionnelles qui encadrent les professions réglementées. Et dans ce cas-là, il conviendra de vérifier que les exigences liées aux qualifications professionnelles ne devraient pas être considérées comme nécessaires si les mesures existantes, telles que la législation relative à la protection des consommateurs, peut être suffisantes pour protéger le consommateur. Ainsi, et les États devront se demander, lorsqu'un État membre réglemente une profession ou qui modifie la réglementation professionnelle, il devrait tenir compte du fait que l'évolution de la science et de la technique pourrait réduire ou accroître la symétrie d'information entre les professionnels et les consommateurs. Et dans les rapports préparatoires, il est fait mention explicitement de la notation et des systèmes réputationnels comme une manière de réduire cette asymétrie d'information dans le cadre du développement de la science et de la technique. Le texte anglais dit « technology ». Et donc ceci me permet de conclure que, sur deux points, on a une dynamique de substitution progressive ou un mouvement qui vise à substituer la régulation des avocats par les règles déontologiques, par une régulation des avocats par le big data et les indicateurs. Et que ce mouvement, alors on ne sait pas s'il va porter ses fruits ou pas, mais en tout cas est en cours et il y a un véritable enjeu. Je viens à l'instant de recevoir un message du CCBE, justement, qui nous communique une demande d'étude par la du CCBE, le Conseil consultatif des parcours européens, qui nous communique un appel pour une étude produite par la Commission, un appel émis par la Commission, demandant de faire une étude sur la manière, très clairement, dont le behavioral economics et les systèmes de réputationnels peuvent éventuellement servir d'alternative à la régulation des professions réglementées. Donc on n'est pas du tout, je pense qu'on n'est pas du tout dans le livre, on est vraiment dans un phénomène qui est en train de se produire. Et la mise en place d'un dispositif techno-managerial de régulation de la profession des avocats est donc en plein développement, avec évidemment des effets très puissants à terme, puisque les indicateurs permettent l'alignement des attentes des multiples acteurs, les régulateurs, les compagnies d'assurance, qui aujourd'hui déjà, certaines, produisent leurs propres ratings des avocats pour sélectionner dans le cadre de l'assurance à Giron de Justice, par exemple, quels avocats sont les plus recommandés ou les moins recommandés, et dans quel cas, avec quel cabinet il y a lieu, par exemple, de prendre un abonnement. Les sociétés d'avocats elles-mêmes, qui peuvent utiliser ces ratings pour mesurer la performance de leurs avocats et évidemment les consommateurs dans le cadre du choix de leurs conseils. C'est une évolution, je crois, importante pour le monde du droit. Ça vaut la peine d'en discuter ensemble. Je vous remercie.